Bon, bonjour les gens. Bonjour les gens. Alors aujourd'hui, on est lundi 4. Alors le mars. C'est venteux. C'est un sale temps. C'est la vie derrière. Alors, on va y aller quand même. Pourquoi on est là? Pour lui là. Voilà, un noyer. Ah ouais, vous allez hurler, un noyer, abattu, machin. Alors la raison, c'est ça, tu vois. Regarde comme ça gigote là-haut. Là, il y a le toit. Alors oui, j'aurais pu le tailler. Mais le problème, c'est que si je le taille, pour pas qu'il abîme la maison, je vais le tailler tellement drastiquement. À choisir, je préfère l'enlever. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il enlève? Eh, parce que, vous savez que le 4 juin, il y a eu un gros coup de vent. Suite à ce coup de vent, le monsieur, il a fait ça. Et il a fait ça. Vous voyez, c'est déchaussé là-bas. En fait, celui-là, quand il a déchaussé, il a tout cassé. Voilà. Il a cassé tous les arbres aussi. Celui-là a déchaussé. L'autre, là-bas au fond, a déchaussé aussi. L'autre, là-bas, a déchaussé aussi. Il y en a un derrière la pile, là-bas, qui a déchaussé aussi. Là-bas, il y en a un autre qui a déchaussé. Comme ça, c'est ouvert, là. Mais maintenant, le vent va taper cela. Ça va arriver ce qui va arriver. Ils vont finir par se coucher. Et après, c'est celui-là. Tu vois, il y a celui-là qui s'est déchaussé aussi. Donc, du coup, ben, le cerisier, il est plus. Celui-là, il a été taillé un peu drastique. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ça, c'est pas moi. Gueulez pas à travers, c'est pas moi. Allez, Nono, chante. Voilà les jambes. Démontage. De noyage. Ah, noyer. Allez, on s'équipe. Et. Ah, bosser. Travailler. Il y a cette voix qui revient pour me dire tout mon amour. C'était bien fini ça. MDR, je peux te dire. Et voilà, voilà. Je suis fatigué. Tout doit être tard. Regardez ces beaux yeux qu'elle a. Ah, on dirait le ciel. Ah, le ciel est gris alors. Hein. Ouais, tache bleue là. Hein, on maille. Et maintenant, démontage. Démontage maintenant. On est garé dans un chemin où le 4x4 passe à peine, il frotte de chaque côté. Tiens, il y en a un qui va voir passer. C'est ça. C'est primant. Allez, on y va. On va couper du bois. Hein, vous avez vu les gens? Le monsieur là. Regardez comment ils font. Oh, ça souffle. Oh, ça vigote. Il y a encore des vaillants. On rattrape le premier coin, on le met derrière. Et en avant, on va prendre sa bûchette. Hein, il va aller au bout. Alors ça, vous avez vu, ça c'est un métier pour l'hiver. Parce que si vous faites ça en plein été, vous allez transpirer. Normalement, au mois de février, c'est bon. M'a tout aimé. Raté. Raté. Mmh. Quel enthousiasme. Ça met la pêche. Quand on voit ça là, ça met la pêche. Bon allez, à bosser, contact, moteur. C'est toujours quand je commence à bosser. Ouais bébé, il t'embarque tes branches. Il te vole tes branches. Alors il va me faire des confettis, lui c'est tout. Bon, t'es prêt? À tomber. Ah, je t'avais prévenu, hein. Si ça passe, je coupe. Pas de dévis, pas d'évac. À fond. Alors faites attention, elle est noyée. Écoutez. Ah, c'est bien cru. Donc attention à ces bêtes-là. C'est tout dangereux. Allez, on se l'essaye. Calme-toi.
C'est mignon. Allez, pose. Allez, pose-toi. Calme-toi, mon petit poussin. Allez, toi, mignon. Tu viens du mauvais côté. Allez, toi, mémé. Bah, tu veux pas te poser? Allez, remonte plus haut. C'est pour toi. Et voilà, faut pas m'obliger à monter. Mais allez, rondelage. Dessous. Hé hey, chérie, pourtant je l'ai pas dit. Te coup. Parce que là il me fait te coup. Hein. Elle est infernale. Ah, bah c'est pas bon. Eh ben il est dur hein. Il est beau hein. Coquinette! Tu peux souffler maintenant. See you again. Yeah man. T'as fait le bordel. Alors surtout, ne faites pas ça tout seul. Si vous voulez faire ce genre d'exploit, attendez d'avoir un peu d'expérience. Écoute. Allez, on y retourne. Allez, coupage. Big boom, badaboom. Et Kira, histoire de la vie. Elle s'en branle. Elle s'en bat les coussinets. T'en connais un qui va se vautrer en faux aplomb. C'est l'histoire. Ah non, pas la pluie. On a déjà le vent. Si on pouvait éviter la pluie. Ah, ça empêche que j'ai pas trop envie de me mouiller. Ah bon? Oui. Tu fais du câlin des petits bébés. Oh, oui, tu vois. Oh, le câlin de papa en bas. Ah, il y a du zèf. Oui, il y a. Putain. Je crois que tu es deuxième aujourd'hui. Ouais. Je suis pas sûr, mais si je t'aime à deux. Moi, c'était juste pour m'aider. Où est le bébé? Oh, yo, ma fille. Oh, ma fille. Oh, la fille. Me voilà avec un outil que vous n'êtes pas habitué à me voir. D'habitude, je filme jamais ça. Sale bête. Donc
c'est pas une taille pour les fruits, c'est une taille pour lui alléger un peu la charpente et lui enlever un peu de prison. En fait, il est là et la maison est là. Alors elle a un petit peu peur. Voilà. Tout comme là. Donc je vais éclaircir un peu les branches, histoire qu'il puisse guérir. Le petit monsieur. Voilà. Si on voit qu'il a déjà été taillé. Ils avaient dit du vent, mais pas de pluie. Ils ont menti. Ton vilain. Bah oui. T'as vu, on s'est pris une trempée sur la gueule. Hein. Ouais. Ton vilain. Oui, vilain. Oh, ils sont vilains. Un bébé, ils sont vilains. Oh, ils sont vilains. Oui. Mon bébé est mouillé maintenant. Oh, à s'enrhumer, bébé, oui. Ah oui. Oh, à s'enrhumer, bébé, oh, oui. Il va faire un chien. Un chien. Mais il peut pas faire un chou. Eh bien, on va le nez pointer un peu, le bébé. Tiens, on va l'éclaircir un peu. Allez, on y va. Ah, ça c'est cool. Calme-toi, Mauricette. Calme-toi, Martine. Ousmane, Martine. Ousmane. Ah, je vais vomir. Oh, la seule bête. Qu'est-ce que t'as dit, chef? C'est quoi? Qu'est-ce que tu voulais? Là-haut? Ouais. Bah, comme tu veux. Pour une fois, je trouvais plus l'eau. Très puissance. Oh, chef! Ouais, j'avais calculé. Tu l'avais calculé, c'est la pause. C'est la pause. Allez, demain maintenant. Petit coup, petit coup, petit coup. Attention, je descends. Vas-y, tu es prête. Eh ben, il y a un beau bordel, moi, du dame. Oh, Dieu, bidou, bidou, bidou. Yo, bisous, bisous, bisous. Moi, il veut des bisous. Bah, il est pas si vilain. Bah, bouge-moi un petit peu. Ici, va te montrer. Et puis, joli. Oui, il est beau. Et maintenant, abattage. On va abattacher. Oh, débitage un peu d'abord. Dans les ménages. On va comme Conchita. Il est beau. Il pourrissait à cœur. Ah, c'est pas bon ça. Parce que s'il a si pourri dessous, ça doit être encore plus. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça pour la potiche ou on coupe plus bas? Oh, c'est mon poteuil ça. Ah. Bon, mais voilà, chef. Voilà, est-ce que moi, il est tombé sur la maison? Tu sais, quand ça fait tellement, ça y parle. Il secoue moins aussi, lui, là. Ouais, mais c'est beau comme ça. Comme ça il y a quelques petits arcèves là-haut, c'est beau. Si ça veut monter, ça montera. Ah, c'est comme un cerisier, il est taillé. Ah ouais. Ah, là, il est taillé sévère le cerisier, par contre. Ah, ouais, c'est une taille violente. Ah, ouais, j'avais pas le choix. Hein. J'ai fait tout casser. Si tu veux redémarrer, tu redémarres. Tu peux pas redémarrer. On coupera au pied. Bon. Et voilà les gens. Il a tout coupé. Le nettoyage chez lui. Il a dit le chef. Oui, oui. Le chef, il a un problème à la pompe à injection. Il faut qu'il entretienne la pompe à injection, mais oui, pas trop. Mais pas trop. Mais non, le problème, c'est que si je dépasse. Toi quand tu le forces comme ça. Ouais. Et grippe. Si je dépasse, j'ai un cachet qui me coupe la tension. Ouais. Et qui me coupe le rythme cardiaque. C'est-à-dire que quand tu me fatigues comme ça, d'un seul coup, tu vois, si je suis à 100, 120 pulsations, je tombe à 60 et je fais 6 tensions. Ouf. Et alors là, tu t'assois. Pas fort. Et le monsieur, non, il a un problème de cœur. Voilà. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a un problème de cœur. Donc il va faire ça à petit peu. Et comme ils disent, ce qui est pas fait aujourd'hui se fera demain. Se fera demain. Et si c'est pas fait à demain, ça sera pas demain. Mais celui-là, il n'est pas trop vilain. Non, ça va. Et le monsieur, il a dit, de toute façon, il repart. Il repart. S'il ne repart pas. S'il repart pas, au pied. Au pied. Vous allez manger où du coup? On mange pas, non. Voilà.
On est à fond. Toujours. Je suis mort. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va rentrer. Parce qu'il y a trop de vent pour aller faire autre chose. Ouais. Il y a trop de vent aujourd'hui. Ouais, j'ai peur. Il y a du vent, c'est mouillé. Ah, ça buffle. Ouais, je comprends qu'elle ait peur, la dame. Non, mais il est celui-là, il veut les cogner après les vitres. Quand il cogne après les carreaux, c'est qu'il veut rentrer. Oui, c'est ça. Maintenant, tu vois, il reste là. Il est bien là. Là, il cognera plus après les carreaux. Maintenant, ici, il reste la masse et les coins pour le fendre. La quoi? La masse et les coins pour le fendre. Je sais pas, j'entends pas. Je passe dans un tunnel, je capte plus. J'ai problème de réseau, je passe dans un tunnel. Donc, mais nous, on vous laisse. Soyez sages. Mais pas trop. Faites ce que vous aimez. Ouais. Et puis, faites attention. Le bois, c'est dangereux. Oui. Ciao à tous. Ciao les gens. Au revoir. On y va. Bon café. Café. Café, café.